Avec l'appui de toutes les personnes qui sont amoureux de l'art et du patrimoine marocain, nous avons donc pu faire rayonner à l'échelon international cette équitation ancestrale qui porte des valeurs de tolérance, des valeurs soufis qui émanent du 12e siècle, du grand pôle soufi Moulay Aslam ibn Bashish, qui a donné lors du 12e siècle et qui a fait rayonner l'islam des Lumières du Maroc à travers le monde musulman. Donc, nous avons tous hier terminé la capsule que nous allons présenter à l'UNESCO, que le ministère de la Culture a préparée. Et donc, nous tous, nous étions présents. Donc, nous avons lancé pour les prochaines années, Matin, un espace de dialogue, Matin patrimoine du capital immatériel et dialogue des cultures. À partir de l'année prochaine, nous tous, toutes les personnes qui veulent apporter un grain de lumière, un grain d'ouverture, un grain de coexistence entre le Maroc, Paul, Soufi, mais Paul aussi comme pont entre l'Afrique, l'Europe. Donc, je ne vais pas me retarder, je veux simplement vous dire merci d'être venu, merci de nous avoir soutenus, vous tous qui venez de pays lointains. Nous sommes honorés et nous allons tisser ensemble, nous la société civile, qui avons un devoir ici, nous, au Maroc, vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis des régions. Vous avez vécu avec nous, vous avez vu la fierté qu'ils portent de leur identité. Mais nous, avec vous, nous pouvons aussi porter ce message de tolérance à travers vous, à travers la diaspora marocaine dans laquelle nous sommes très fiers. Vive le roi, vive la culture. Merci encore.